BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Nous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir et une lecture justement de ce monde de la gestion avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Vous êtes consultant chez MCV France. Aujourd'hui Frédéric, vous revenez sur une affaire ancienne et qui revient dans l'actualité. C'est l'affaire Doubleau. Vous voulez à nouveau alerter nos téléspectateurs. Oui, il y a de nouveau des rebondissements. Alors Doubleau, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un fonds à formule qui avait été proposé par la Caisse d'épargne au début des années 2000. Le fonds était censé protéger l'épargne des investisseurs. On promettait à l'époque un double du capital au bout de 6 ans. Donc quand on regarde les publicités de l'époque, c'était très clair. Et puis on vous disait très clairement, votre capital est garanti. Et en fait, le capital n'était pas garanti. Et en fait, le capital n'était pas garanti. Alors la formule, elle était simple. La formule, elle disait quoi? On va donner à l'investisseur la meilleure rémunération entre le doublement du capital, d'une part, ou 100% de l'évolution d'un panier de 12 valeurs. Bon, jusque-là, c'est clair. À condition, et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder les prospectus, à condition qu'aucune des valeurs de ce panier n'enregistre une baisse de 40% ou plus. Parce que s'il y avait une valeur, une seule valeur qui avait une baisse de 40% ou plus, ben là, la garantie en capital sautait tout simplement. Alors, il y a eu plusieurs décisions de justice donnant raison aux investisseurs. En 2010, la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, fait un procès-verbal, trouve qu'il y a effectivement pratique trompeuse, on transmet ce procès-verbal au parquet, et là, s'engagent des poursuites pénales concernant ce fonds Doubleau de la Caisse d'épargne. Ça, c'était en 2010, et aujourd'hui, l'affaire revient dans l'actualité. Alors, l'affaire revient dans l'actualité parce que, tout simplement, au pénal, une décision a été rendue. On dit, on ne peut pas poursuivre. Ah bon? Alors ça, c'est quand même un peu fort de café. On ne peut pas poursuivre, alors que certaines décisions ont déjà été rendues par certaines cours en province, au civil. Alors, l'argumentation du pénal, c'est quoi? C'est de dire la CNCE, la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne, est devenue la CEP, Caisse d'Épargne Participation. Et puis, CEP a fusionné avec Banque Populaire au sein de BPCE. Donc, il y a eu une cascade. Alors, du coup, la décision au pénal dit, bon, bah, c'est vrai que dans leur procès verbal du 10 mars 2010, la répression des fraudes dit qu'il y a une pratique commerciale trompeuse. Mais compte tenu de toutes ces fusions, ces absorptions, ça a deux conséquences. D'une part, la disparition juridique de la CEP et d'autre part, l'impossibilité de poursuivre pénalement BPCE qui a racheté tous ses actifs. Et là, effectivement, on se dit, si vous avez des problèmes et si vous êtes dans le cadre d'une entreprise, bah, c'est simple. Si vous êtes poursuivi au pénal, fusionnez, vendez votre entreprise et comme ça va éteindre les poursuites. Voilà, si vous êtes poursuivi au pénal, faites-vous racheter, ça limite le risque judiciaire. Bon. Faites des montages et comme ça. Et donc cette affaire Doubleau revient à la une. Que peuvent faire les particuliers dans ce... Alors, il y a plusieurs avocats. Nous, on connaît Daniel Richard, dont on a déjà parlé concernant l'affaire Jet3. C'est un fonds de BNP où certains investisseurs se jugeaient lésés. Une décision de justice leur a donné raison. Et donc Daniel Richard, qui est un des avocats qui travaille sur ce dossier, annonce qu'il va déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction à Paris. Il a déjà une centaine de souscripteurs Doubleau qui comptent bien ne pas en rester là. Et effectivement, on a bon espoir, compte tenu des jurisprudences qui ont été déjà rendus sur des cours de province ou compte tenu de la jurisprudence de ce fonds de Gen 3